concept, c'est de permettre à des enfants de 4 à 15 ans d'être initiés aux métiers artisanaux et du patrimoine. Et ces 12 ateliers fonctionnent avec 12 bénévoles. Les enfants travaillent avec des papis et la relation papy-enfant est extraordinaire. J'aime les enfants, on était famille d'accueil alors, vous voyez, ça continue. Ça me change les idées. C'est la première fois que je fais un porte-monnaie souris, mais par contre, j'ai déjà fait de la couture avec ma maman. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a des activités manuelles et moi, j'aime bien fabriquer les activités manuelles. J'ai fait de la menuiserie, j'ai fait de l'électricité pour l'instant. Et là, je fais de la couture. Vous, en tant que bénévole, c'est quoi vos motivations? C'est transmettre mon savoir-faire. Ce que je n'ai pas pu faire lorsque j'ai arrêté mon activité. Ça fait 73 ans que je tape sur l'enclume et je ne suis pas fatigué. J'aime bien transmettre ce que je sais faire ou ce que j'ai su faire. C'est vraiment agréable de travailler avec eux parce que les enfants posent toujours des questions et ça, c'est quelque chose qui nous continue à nous enrichir et ça nous fait plaisir de leur transmettre nos savoirs. On a préparé les acras tous les deux. C'était vraiment une bonne expérience. Et puis, pouvoir les mettre dans l'huile et les voir gonfler, c'était vraiment très attrayant. Donc aujourd'hui, effectivement, on est totalement aux côtés de cette association. Nous avons tout de suite été séduits déjà par le thème qui est de transmettre du savoir, transmettre un métier. Donc ça, tout de suite, on a vu les valeurs du mutualisme que cette association permet de véhiculer. L'idée, c'est de créer du lien, c'est de transmettre. C'est aussi, ce qui me paraissait important, de faire découvrir à des jeunes enfants, hein, puisqu'ils ont entre 9 et 14 ans, les métiers, des métiers manuels. Des choses qu'on ne voit plus beaucoup et qu'on n'apprend plus beaucoup et qui sont un petit peu discréditées. C'est tous les enfants qui vont participer à une statue de Don Quichotte. C'est surtout soudure au chalumeau, soudure électrique, brasure, tout ça. Donc ils participent tous et puis apparemment ça a l'air de les botter. On leur inculque une rigueur du travail. Donc ils ont une charte à respecter, ils ont une attitude à respecter et le respect du travail bien fait. Il ne faut pas oublier les bases des métiers, c'est ça. Ceux qui ont 15 ans, ben, ils partent en disant « mais l'outil en main m'a donné un métier en fait et je veux faire ce métier ». On arrive à ça en fait.